portrait d'après blessure raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont un rendez-vous et qui prennent le métro ensemble pour aller à ce rendez-vous. Et une explosion survient dans le métro et ils vont être tous les deux blessés assez grièvement pour elle. Et ils vont être photographiés au moment de leur évacuation alors qu'ils sont blessés dans un état de vulnérabilité très grand. Et cette image qui a été prise sur la voie publique va être reprise par des journaux de presse nationale, mais surtout par Internet. Et à partir de là, tous ceux qui les connaissent vont se demander pourquoi ils étaient là, ce qu'ils faisaient ensemble. Et l'image va soulever une série de questions qui va faire vaciller la structure de leur vie tout entière, que ce soit au sein de leur famille ou auprès de leurs collègues. Donc eux n'auront pas d'autre solution que d'essayer de trouver une stratégie pour répondre à cette image qui leur a été volée et qui les représentait au pire moment de leur vie. La question que je souhaitais poser avec le livre, c'est effectivement que peuvent faire deux individus dans un système à la fois juridique et médiatique qui autorise la diffusion de ce type d'image sans qu'eux ne puissent s'y opposer. Et c'est une question très contemporaine, celle du droit de l'information existe depuis longtemps, mais évidemment depuis l'apparition d'Internet, l'effet multiplicateur fait des ravages, puisque une image qui a été prise de façon dérobée peut se retrouver diffusée sur les réseaux à des milliers d'exemplaires en quelques secondes. Il y a aussi une histoire entre ces deux personnages qui est sur le point d'advenir, mais que la photographie et l'explosion vont tout à coup empêcher. Et le roman raconte l'histoire de ces deux personnes et la façon dont elles vont essayer malgré tout de se réparer pour pouvoir aller l'une vers l'autre.